Je pense que le ministre des Affaires étrangères a diffusé mercredi auprès des journalistes une lettre en ce sens adressée par le chef de la diplomatie qui est M. Abdoulaye Diop à la présidence en exercice chinoise, parce que c'est les Chinois qui sont en exercice à la présidence du Conseil de sécurité en ce moment. Donc le Mali, le ministre des Affaires étrangères du Mali a affirmé. Le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent, conformément à la Charte des Nations Unies. Que peut-on comprendre par là, Brahima Sidibé? Alors, oui, déjà, c'est un droit, effectivement. C'est le droit de chaque pays de se protéger contre des menaces extérieures ou à l'interne. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce vocable légitime défense? Alors, est-ce que cela veut dire que le Mali va se défendre militairement ou bien de façon diplomatique? Donc, je pense que ce sont les deux canaux qui sont à la disposition du Mali. Mais je ne pense pas. Je pense que ça, c'est plus un langage diplomatique. Mais je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce stade. C'est-à-dire que le Mali et la France s'engagent dans un conflit militaire. Ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est surtout une façon de mettre la pression. Parce que en diplomatie, ça fonctionne aussi. Et cela passe aussi par des éléments de langage, comme se défendre en fonction de de la légitime défense, faire usage de la légitime défense. Donc ce sont des éléments de langage qui permettent de mettre un peu de pression, qui donnent un peu plus de teneur au communiqué. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des actions concrètes derrière, parce que je ne pense pas que ni le Mali ni la France ont intérêt justement à aller dans ce sens. Maintenant, Justement. l'autre aspect aussi qu'on peut souligner dans tout cela, parce que alors nous sommes dans notre rôle d'analyse, d'analyste politique, et nous devons d'être objectifs. Dans ce sens, il faut aussi se garder de ne pas en faire un bouc émissaire. C'est ça. C'est-à-dire que les autorités aussi doivent prendre les responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller on doit pas instaurer une doxa qui consiste à dire que toutes les attaques qui se font sont du faute de la France. Exactement. En se Ça, de la faute positionnant de la comme France. assez C'est victimisant. assez victimisant. C'est-à-dire que oui, si vous voyez qu'il y a des attaques, c'est parce que c'est la France qui aide. Il faut faire attention aussi à cela. Il faut vraiment faire attention à cela. Le gouvernement doit En prendre faisant la ses part des choses. responsabilités en faisant la part des choses. Tout à fait. Alors, le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense face aux actions de la France. S'agit-il d'une grave escalade dans les relations entre Bamako et Paris, Koumba? Oui. Comment? Une grave escalade diplomatique. Et voilà, Donc, comment expliquez-vous c'est plutôt cette plus. escalade? Alors là, donc nous sommes en train de. Comment vous expliquer? Le Mali est en train de casser réellement les relations entre le Mali et la France. Donc, comme vous savez, nous avons déjà au Mali, donc la transition a scellé un partenariat avec la Russie. Donc là, aujourd'hui, c'est un enjeu. Ce sont de gros enjeux qui se jouent aujourd'hui, des enjeux géopolitiques et géostratégiques aussi en même temps. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui entre le Mali et la France, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis un bon moment, notre feu président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, l'avait signalé, il avait et tenté de se battre aussi de ce niveau-là. Mais malheureusement, il n'a pas été compris, il n'a pas été entendu. Donc là, aujourd'hui, c'est par la force, j'ai l'impression que la transition veut montrer par la force qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol parce que la gouvernance ne se fait pas par l'extérieur. La gouvernance se fait de l'intérieur du pays et ne se fait pas par l'étranger. Et on ne vient pas non plus imposer une doctrine étrangère chez nous. On doit comprendre que le Mali appartient aux Maliens et non aux autres. Alors, vraiment, des accusations ont été démenties par la France. Hein. La lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU datant du 16 août vient aggraver les tensions tendues qui existent, on l'a dit, déjà entre Paris et Bamako. Jusqu'où ira la détérioration de relations entre Paris et Bamako? Oui, c'est vraiment une vraie question, parce que il y a peu de temps, qui aurait imaginé que le Mali allait demander à l'ambassadeur français de quitter les territoires? Ça, c'était inimaginable il y a très peu de temps. Et donc, on constate que depuis le début de l'année, les tensions montent en crescendo, et on se pose la question effectivement jusqu'où cette désescalade ira.
Maintenant, la vraie question, c'est que aujourd'hui, la France quitte le Mali, mais elle ne quitte pas le Sahel. Et je pense que tant que la France est dans la région, on peut supposer que les relations diplomatiques seront vraiment tendues. Et moi, je dirais même un peu plus loin, tant que cette transition est en place, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une amélioration des relations entre le Mali et la France, parce que ce sont les mêmes acteurs qui continuent. Le président français Emmanuel Macron a été réélu et donc continue avec la même politique. Et le gouvernement de transition est en place jusqu'en 2024, en tout cas si on se fie au calendrier électoral. Et donc, puisqu'on a les mêmes acteurs qui sont en place, je ne pense pas qu'on puisse aller vers une amélioration de relations diplomatiques. Maintenant, à quel dessein ? On se pose la question, à quel dessein ? Pour quel but ? C'est ça aussi qu'on doit voir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être forcément dans une logique belliqueuse, mais on doit aussi chercher à comprendre quelles sont les intentions réelles de part et d'autre. Parce que le Mali cherche effectivement à préserver sa souveraineté, à sécuriser son territoire, ce qui est assez normal. Et la France aussi, puisqu'elle s'est engagée depuis 9 ans au Mali, considère que le Mali lui doit tout simplement sa souveraineté territoriale. Parce que c'est ce que, si vous écoutez les responsables français, c'est ce qu'ils disent. Ni t'était l'intervention de Serval en 2013, les djihadistes allaient descendre sur Bamako. Tous les responsables français vous diront cela. Et donc, ils considèrent d'une certaine manière que les Maliens sont ingrats à leur égard. Mais les Maliens aussi, il faut le comprendre. Parce que ce n'est pas tant la présence française, peu importe la durée, qui compte. Pour un Malien lambda, c'est la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, tout ce qu'on peut dire, il ne peut pas l'entendre. Il faut se mettre à la place aussi de ces populations qui vivent dans ces zones d'insécurité, quoi. Et donc, je pense que de part on assiste à un dialogue de sourds. Chacun reste campé sur ses positions. Et dans cette situation, il est très difficile d'envisager une amélioration des relations diplomatiques. Alors, il est très